Donc salut et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Donc on avait monté l'espèce de tour géante là par... Merde, je sais même plus par où il faut que j'aille. Sûrement là-bas en fait. Là où il y avait les incubateurs de clones. Et là en fait, vous voyez la caméra s'est rapprochée, je peux rien faire d'autre que... Mais qu'avancer en fait. C'est super chiant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est super pas bien. Ah, Vador. Oh, je bim, Vador. Coup de tête. X, X. Ce sont les souvenirs d'un disparu. Ok. Vador, montrez-vous. Ouais, bah là, c'est pareil, hein, je peux rien faire d'autre. Juno, c'est moi. Tu es un monstre, une belle bête. Juno, je t'en prie. Allez, putain. Tu es la marionnette de Vador. Un simple corps chargé des souvenirs d'un homme qui n'est plus. Genre on défonce Vador comme ça quoi, ça aussi j'aime pas dans le scénar. Ok, par contre cette phase elle est complètement moisie les mecs, hein. Je vous le dis direct. Venez m'affronter, espèce de lâche. Par contre là vous voyez c'est nous en fait, en clone, il me semble. Je suis pas sûr. Là y a rien. Ah si si, il me semble que c'est nous. Par contre la caméra là on peut pas la bouger, c'est super chiant. Ouais, on va regarder par là, y a rien. Parce qu'à mon avis il doit y avoir un holocron, j'aurais dû regarder. J'aurais dû regarder une soluce avant, vite fait, pour savoir les emplacements des holocrons. Merde. On va comprendre un peu le dénouement de l'histoire, mais bon. Putain, Camino, franchement. Toute la planète, il n'y a que des incubateurs dessus. Comme ça, c'est réglé l'histoire. Il doit y avoir trois. Je sais pas comment on pourrait les appeler, les Caminodiens ou je sais pas quoi. Et au moins un milliard de clones. Oh, c'est super chelou là. Je savais que tu finirais par me retenir. La texture de la peau. Ce n'était qu'une question de temps. Tu vas faire selon ma volonté. Tu mourras ici, à l'endroit même où tu as été créé. Allez, on est parti les gars. Le combat contre Vador. Ah ouais, par contre on peut rien lui faire à lui, je me souviens plus comment on le baise lui. Je crois qu'il faut casser ça, non? Je suis pas sûr. Ah non ouais. Je sais ce qu'il faut faire. Ah là faut lui jeter ça il me semble. Ah merde. Ah ouais putain, ah ouais, je vais me battre contre mes propres clones. Par contre, je sais pas si je peux avoir la ruse Jedi contre eux. Hop là. Ça me permet de m'en donner un peu du. Regardez, ils se battent contre lui. C'est vachement bruyant les combats. Bon, par contre là va falloir que je fasse un peu le ménage. Hein. Je suis désolé les gars.
peux pas le prendre. Ah bah tu me diras, ils ont le pouvoir de la force aussi, mais ils sont pas encore finis quoi. Allez, je bim. Ah, c'est exactement le même truc qu'il y avait sur Mustafar, ça, non? Espèce d'engin, là. Alors. Style, il nous a fait la passerelle pour qu'on puisse se barrer, quoi. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? Il est où, là? Waouh, oh non, putain, qu'est-ce que j'ai fait? On peut sauter des avions, de l'espace et tout, s'accrocher à des chasseurs taille, mais tu tombes de la plateforme, tu crèves quoi. Eh ouais. Il est où Vador? Je le vois pas. Ah non, par contre là, je pense pas que je puisse y aller. Il est où cet enfoiré? Ah, il est là-bas. Ah, je crois que c'est ça qu'il faut lui faire en fait. Pas la peine de se presser. Allez, c'est bon, la plateforme elle est faite. Voilà, faut le tartiner, Vador. Sinon, on est là jusqu'à demain. Allez, petite trousse Jedi. Allez, battez-vous avec moi, vous. Tu dois être fou pour m'affronter seul. Vous devrez m'achever cette fois. Je serai toujours ton maître. Et toi. Ah, je me suis loupé, je crois. Vador, sinon le combat il va jamais finir. Tueur n'a pas réussi à me tuer. Il n'a aucune chance. Je vous ai déjà défié et je recommencerai. Ah merde. Ok. Et maintenant je vais te détruire. Ok, cool. J'ai toujours été plus puissant que vous. Mais tu n'as jamais réussi à me vaincre. Tu veux te comporter en Jedi? Alors soit. Ça m'énerve qu'il soit plus puissant que Vador, franchement. Cette espèce de petit merdeux de merde là. Pisseux. Allez, barre-toi de là, toi. Ok, Phil. Il est où lui? Ah merde. Normalement là, ouais, c'est Rebelote, il va me jeter des trucs. Non, même pas. C'est vachement cafouillis là, c'est brouillon, c'est. T'es où, Vador? Alors, envoie-moi. Ouais, je vivais comment là? Ah, par là? Non, je peux pas y aller, il y a un mur invisible. Ah non, faut bien que j'attende.
Oh là là. Je peux sauter à votre avis? Ah ouais, si je peux. Ok, donc il me renvoie encore une flopée de merde. Oh, ça débarrasse bien le réseau, cette merde. Je sais pas pourquoi ils sont bleutés comme ça. Il y en a qui ont plus la force que d'autres, je crois. C'est simplement qu'on peut pas leur faire la ruse Jedi. Ok, là on est bon. Allez, Vador, envoie-moi ça. Putain, ça lui enlève rien comme vie, quoi. Attendez, je peux le prendre? Ah, je pourrais le prendre normalement. Allez, oh, je peux même pas le prendre. Tu es un homme mort. Vous mentez. RT. Ah, oh, je me suis loupé. J'ai fait RT. Si en plus je me loupe comme une merde, on n'est pas prêt de. Ah oh, ouais, putain, on n'est pas prêt de jouer, quoi. De finir, je veux dire. Ah, sa petite maman. Il est où lui? Vador, il est là-bas, je veux pas aller là-bas moi. Je suis un peu concentré. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, faut pas que je me loupe. S. Hop. Oh merde. Putain, mais... Ils vont me caler, les enfoirés, hein. Allez, prends-le! Oh putain! Putain, Vador, pour le tartiner, faut y aller. Ah ouais, mais lui, ça marche pas, ça, sur lui. Pff. LT. Cool, normalement il aurait dû tomber là. Ah, ça va me saouler. Attendez, il faut que eux se battent pour moi là. Ah bah cool, même ça marche sur eux, on va faire ça, on va pas se prendre la tête. Oh. Allez, barre-toi, ça m'a remis ma foule, ma vie. Hop, on va faire ça. Hop, et puis on va essayer de rester par là pour lui tartiner, je sais pas si, non. Il en fait pas réapparaître, non. Allez, prends. Pourquoi je peux pas le prendre? C'est un peu chiant cette histoire. Hein. Tu te prosterneras devant moi. Oh.
En fait, faut se barrer un petit peu et revenir à la charge, quoi. Ah merde. Ça va, il lui reste un tiers de... Merde. Il lui reste un tiers de live. Canalise, Tae. Détruis-moi. Oh, je bume. Bien, éliminez-le. Ah mais Vador, je crois qu'il a sa vie qui... Ouais, je vais mourir. Faut vite que je me refasse un peu de live. Putain, il est super casse-couille, lui, là. Oh, regardez. Vador, il est en train d'en défoncer un, là. Allez, allez, allez. Je peux te détruire aussi souvent que je le veux. Cool. Putain, c'est chiant, franchement. Allez, barre-toi là-bas. Ça, c'est pas mal. Allez. Là, j'aurais amélioré ma ruse Jedi, ça aurait été pas mal. Oh putain, ils vont me canner, les enfoiros. Là, normalement, les deux derniers qui restent, ils se battent pour moi, non? Allez, je bime. Ça sent bon. Hop. C'est un peu chiant, leur cutscene de merde, là. Oh, regardez ce que ça lui a enlevé de vie. Rien du tout. Allez, pff, allez vous faire enculer, bande de... enfoirés de tricheurs. Attendez, on va aller se battre là-bas parce que... Ouais, parce que là, ça ne disait rien de bon, là. J'aurais dû rester ici. Juno. Prosterne-toi devant moi, ou elle mourra. Non, c'est sûr que c'est le droïde, ça, non? Putain, je me souviens plus de la fin. Je ferai ce que vous voulez. Laissez-la partir. Ouais, c'est exactement pareil que pour Vador, quoi. Tu vas trouver le général Kota et l'éliminer. Si tu refuses, elle mourra. Tu vas me rejoindre et tu vas t'abandonner au côté obscur. Si tu résistes, elle mourra. Et quand ta formation sera achevée, tu traqueras les chefs rebelles et tu les exécuteras. Si tu résistes, elle mourra. Non. Je bime.
Oh, Vador, il est sans pitié, hein. Ça lui a foutu le seum là de ce qu'elle a fait. Oh, excellent, Vador, putain. Je crois qu'il y a... il y a un truc à faire avec les piliers, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Ou peut-être ça sera après, en fait. Ça sera après. Putain. On est en... en furie, là. Faut que je la voie méchamment. Passe à autre chose. Elle est insignifiante. Là, c'est toujours les mêmes cutscenes, quoi. LT. Sa mort te rend plus puissant. Saisis ta chance. Je vais en finir maintenant. Tu veux rejoindre la fille? Très bien. Passe à autre chose. Elle est insignifiante. Oh, regardez la vie que ça lui enlève. Oh, je bume. Comme il m'a défoncé. Là, faut être sans pitié, là, on est en mode rage. Ah, Vador, mon gars, j'étais presque fini, là. Merde. Ça sert à rien d'utiliser la force contre lui, franchement. Aucun intérêt. Oh putain, par contre la caméra a chié là-haut. Comme c'est brouillon. Ah, j'avais pas retapé ça. X. Ah, il lui a sectionné la main, putain. L'autre il a 3 tonnes sur lui, normal, ça lui fait rien du tout. B. En fait, faut pas y aller trop fort, hein. Sinon il nous l'aurait dit. Putain. RTB. Ben dis donc. Il y en a de la cutscene là. Genre. Allez, putain, ça fait trop une minute que j'appuie, j'ai le pouce, il va. Il va rouiller là. Ouais, ben dis donc. Vous avez pris tout ce qui comptait pour moi. Tes sentiments pour elle sont illusoires. Ils sont bien réels pour moi. Attends. Vous voulez le voir mort tout comme moi? Oui, mais pas tout de suite. Pas avant qu'il nous ait parlé de l'Empire. Oh, de ça, comme c'est abusé, franchement. Vous voulez le garder prisonnier? Oui, dans une. Ces putains de scénaristes, ils avaient aucun respect pour Vador, quoi. Ensuite, nous le condamnerons pour ses crimes envers la vraie République.
Et alors, nous pourrons les mis pour la synchro labiale d'ailleurs. Nous à toute la galaxie, je n'ai plus rien à craindre de lui. Si je le laisse vivre, il me hantera jamais. Il est le seul à pouvoir nous dire si Starkiller a survécu ou s'il est mort. Il ne doit pas emporter son secret avec lui. Je crois que je vais essayer le côté obscur, les mecs. Oh, regardez. C'est son apprenti, c'est un autre apprenti. En te disant que le processus de clonage était encore imparfait. Ah bah tout le monde est mort. Il est clair que tu n'as plus rien à prouver. Quels sont vos ordres, mon maître? Prends son chasseur. Explore les profondeurs de la galaxie. Trouve les derniers rebelles et tue-les tous autant qu'ils sont. Comme vous voudrez. Ah, la chatoune, toujours la chatoune. Bah voilà, donc comment se termine ce petit let's play de Star Wars le pouvoir de la force 2. C'est un bon petit défouloir hein, surtout pour ceux qui aiment en fait tout ce qui a trait à l'univers de Star Wars. Là c'est assez bien restitué, à part que scénaristiquement c'est assez c'est vachement léger, et puis bon il y a beaucoup d'incohérences, et on va dire qu'il y a comment je pourrais dire ça, une répétition sur la fin en fait. On fait toujours la même chose hein. On fait toujours les mêmes combos, toujours les mêmes trucs, ça devient un peu lassant. Sinon franchement il est à faire quoi, pour tous ceux qui aiment l'univers de Star Wars. Je vais essayer, je vous dis bien essayer, parce que je vais voir à combien il est mon ratio de pécho le pouvoir de la force 1 Sith édition, pour pouvoir en faire un let's play. Donc écoutez, je vous dis au prochain let's play. Allez, salut.